Ça le fait kiffer, franchement, Go. Hein. Je sais que moi, tous les mecs que j'ai rencontrés qui faisaient du dev depuis jeune, c'est des machines, quoi. Enfin, réalise pas. Moi, le mec qui m'a formé à JavaScript, donc pas mon CTO actuel qui est aussi une bête, mais le mec juste avant, il avait commencé le dev, genre tout petit et tout. Aujourd'hui, c'est un tueur. Donc, Black Lion, Go devenir un tueur, mais effectivement, kiffe. Profite aussi de ta jeunesse, franchement, t'as le temps. Et du coup, tag pricing. Le pricing, c'est défini comme étant un montant avec une fréquence et une durée. Donc là, ça veut dire qu'il faut qu'on ajoute un depuis quand? Il va falloir un input type date. Date picker React Native. Est-ce qu'il y en a un natif ou pas? Ok, déprécier, prenez la communauté direct. Ok. Donc ça on prend pas. Hein. Pourquoi on prend pas? Parce que c'était mis à jour il y a 4 ans. Ça veut dire que potentiellement on s'expose à des failles de sécurité derrière ou à une incompatibilité. Là, mis à jour, on va checker, mais je pense qu'on est plus là-dessus. Ah, alors, dépend de la boîte, attention. 4, 2, 3. Ok, on est sur un code qui est potentiellement mis à jour récemment. Très suivi. Je pense qu'on est plutôt safe à partir là-dessus. Ouais, on est clairement safe. Des tips pour comprendre le JavaScript. Alors, soit tu es clairement bilingue et tu comprends un petit peu comment ça fonctionne. Et dans ce cas-là, il y a un bouquin que je recommande. Je crois à chaque live, j'en parle. Je pense que je vais mettre un lien, genre, enfin une commande, genre, point d'exclamation JavaScript dans le chat. Mais pour tout le monde, tous ceux qui maîtrisent un petit peu JavaScript, c'est-à-dire qui comprennent un peu comment ça marche, qui comprennent un peu la programmation, allez voir ces e-books. Ils sont gratuit. Si vous voulez soutenir, le mec il a un Buy Me a Coffee, un patron. Ils sont disponibles sur Amazon payant et ils sont gratuits sur le GitHub officiel. C'est u.node.js. Ça aborde vraiment JavaScript de long en large en travers. Seule chose, c'est full en anglais. Il y a deux éditions. La première qui est complète, la deuxième qui est en cours d'écriture. C'est pas parce que il y a une deuxième édition qu'il faut forcément ne pas lire la première. Donc la deuxième va reprendre la base du premier et l'enrichir. Mais en tout cas, si vous êtes bilingue, que vous comprenez JavaScript, je vous mets le lien dans le chat, mais ça, c'est une ressource en or. Maintenant, si comme The Creative Dev, on a encore un petit peu d'abstention à apprendre JavaScript, enfin du moins à apprendre des ressources en anglais, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir va peut-être celui-là. Project. Est-ce qu'il le fait en JavaScript? Non. Alors, le clean code de Martin, effectivement, très bonne ressource également. Alors, ça, il faut le prendre avec des pincettes. Pourquoi des pincettes? Parce que ça va vous parler plutôt, si je ne me trompe pas, soit en C, soit en Java. Vous allez me dire, ouais, mais je suis JavaScript. C'est pas grave. Ça reste de la programmation. C'est des patterns, c'est des bonnes pratiques. Prenez le temps de le lire aussi. Ah, ça, clairement, ça peut être une petite bible. Parce que ça, savoir coder proprement en entreprise, c'est un petit game changer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à nouveau, comme on le disait tout à l'heure à notre ami ChrisNafNGS, démarquez-vous. Ça ne sert à rien de dire que vous l'avez lu. Juste, ayez la compétence et l'intelligence de savoir qu'est-ce qui va être un peu plus propre.
Ce livre-là aborde vraiment des notions, c'est un intemporel. Allez-y. Ouais, c'est en C. Non, c'est en Java. J'ai un doute. Nalsemon, tu peux me corriger? Et est-ce que tu peux confirmer que c'est en C ou en Java? Vous avez ça. Voilà, c'est juste comprendre ce qu'on attend de vous. Un pattern tout simple, ça va être le dry pour le don't repeat yourself ou juste un truc encore plus bas niveau, une fonction. Une fonction, c'est je dis ce que je fais ce que je dis. C'est une fonction à une action, enfin, elle fait une chose et elle le fait proprement, elle ne fait que ça. Sinon, c'est qu'elle est mal nommée. Et sinon, en ressources JavaScript, là, en français, après, à part Open Classroom qui apprend les bases et après juste à bien poncer le langage en travaillant sur des exercices, j'ai pas forcément d'idée là en tête. Ouais, j'ai pas d'idée là en tête. Je suis désolé, hein, de Creative Dev. Franchement, à part vraiment Open Classroom et après travailler sur des exercices et après travailler sur des projets, j'ai pas de bonnes ressources à part Node.js qui est vraiment pour moi une bible. Là, je te cache pas que j'ai un petit trou. Alors, hop, j'ai. Ne semble la pratique n'éduque pas. Alors, est-ce que on va poser peut-être la question de manière plus générale. Ok, mais est-ce que tu es à l'aise du coup avec la programmation et l'algorithmie ou moyennement? Donc là, on l'a instancié, tac tac. Bon, il y a des pods, parfait. Ça devient un peu l'angoisse, la musique. On va changer. C'est clairement le mood du dimanche, avoir quelque chose de très mou. Alors, on va mettre ça. Non, on va mettre ça en fait, pardon. Je cherche une petite playlist pour passer un petit peu là, encore un peu de temps avec vous. Quelque chose qui va pas vous énerver pour le dimanche soir. Bon, pas la bonne idée non plus. On va pas mettre la Macarena. On va vous mettre. J'ai un doute. Allez. Ok, alors. Comme le dit Nelsemon, en fait, JavaScript évolue énormément. Et franchement, je pense que c'est un des pires langages à ce niveau-là, c'est-à-dire que tous les 4 matins, il y a des nouveautés. Ça me fait encore ce bug-là. Si. Tac. Maintenant, si je devais transposer ton cas avec, par exemple, le mien, où j'étais pas à l'aise avec l'anglais au début, ce que j'ai fait pour vraiment master JavaScript, ça a été un de me poncer sur l'algo, juste la programmation, comment ça fonctionne. Donc, c'est-à-dire qu'en premier, ça a été France IOI. Jusqu'au niveau 3. Pour du Python, pour comprendre un peu comment fonctionne l'algorithmie. Ensuite, ça a été. Ah, alors est-ce que c'est pas celui-là, celui-là. Attendez, hop. Ça. Prends le temps de le faire. Clairement, ça va t'apprendre un peu la programmation fonctionnelle.
En fait, ça te fait réimplémenter ce qui fonctionne avec map, filter, enfin ces méthodes-là. Celle-ci, faut pas la négliger. Faut bien comprendre comment ça fonctionne. Après, globalement, à un moment donné, si on veut vraiment master JavaScript, j'ai pas trouvé personnellement de bonnes ressources en français. Et utente.js, je vais répéter et me répéter, me répéter, mais je pense que ça a été la meilleure ressource pour moi. Après, ça reste un anglais qui est assez accessible. C'est pas vraiment du gros bourrin. Mais je pense que globalement, commencer par FranceCoE pour prendre la partie un peu programmation, OpenClassroom pour réussir à faire un peu de JavaScript, RxJS, donc le site que je vous ai envoyé, pour bien comprendre ces méthodes qui sont très importantes. Et après, c'est juste comprendre la documentation. JavaScript Info, je ne connais pas du tout. On a déjà parlé la dernière fois, je ne sais plus qui en a parlé. Je pense que c'est une bonne ressource. Maintenant, je ne l'ai jamais utilisé, donc je ne pourrais pas donner un avis très clair dessus. Mais de ce que je vois, en tout cas, ça va être une bonne ressource. Ouais, là je dois l'avouer, pour une fois, je n'ai pas la réponse. T'es pas le premier à m'en parler de JavaScript pour info, donc je pense que ça va être bon. Mais n'ayant pas vu le site, je peux pas donner mon avis là-dessus. Parce que je risquerais de dire une bêtise. Après, moi, ce que je me pose comme question, c'est est-ce que tu as des mentors dans ton cursus actuel? Alors, je vais être transparent, je ne connais pas comment fonctionne le mentorat ou comment ça fonctionne au niveau d'Open Classroom, donc je ne vais pas bâcher. C'est triste si effectivement les mentors ne prennent pas le temps de bien vous accompagner. Maintenant, je sais que clairement, c'est un milieu où bah, va falloir se faire violence parce qu'il y a du monde. Et